Bonjour et bienvenue pour ce second épisode dédié au full set Ouattara Supervision. Vous pouvez pas imaginer comment je suis motivé pour faire ce second épisode et découvrir les perles, ou plutôt devrais-je dire les perlouses. Et ça démarre direct après le jingle. Allez, j'ai pas peur, j'enchaîne tout de suite sur Dancing Block. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des bananes carrées qu'on contrôle. Des papillons, des jolis papillons qui ne peuvent pas traverser les bananes. Mais est-ce qu'on... Je ne sais pas. J'ai mangé les bananes. A priori, le but du jeu, c'est de manger les fruits. Alors, musicalement... C'est peut-être le moins pire que j'ai entendu pour l'instant. C'est entraînant. C'est entêtant. Mais pour... Ça clignotait pas tout à l'heure. Ah, c'est limité en nombre d'objets qu'on peut faire bouger à l'écran. Et à mon avis... Bah non. Enfin bref. C'est passionnant. Mais attendez, parce que là j'ai découvert quelque chose. Hein, parce que oui, je suis un peu maso. J'ai fait une seconde partie. On peut, si on positionne bien ce foutu bloc, tirer sur les ennemis. Et là, ça... j'allais dire, ça donne une autre saveur au jeu. Oui, si on arrive à bien positionner son cube pour réussir à détruire... Voilà, là, je suis bien positionné. Je peux straffer et je peux détruire les adversaires. Vous voyez, je suis médisant et on a peut-être en fait affaire au meilleur jeu de la console. Comme quoi, faut pas critiquer un jeu dès les premières secondes. Le jeu suivant s'appelle Delta Hero. Toujours un jeu de Bone Treasure. Donc a priori, le but du jeu, ça sera de trouver des dollars. D'accord. Est-ce que je peux... Je peux tirer. Mais si je veux trouver les dollars, j'aimerais bien les ramasser. Il y a un scrolling, c'est pas moche. Mais je suis en train de me faire pomper l'énergie. Et j'ai tué un méchant, d'accord. Mais je peux rien faire, je peux rien prendre. J'ai deux boutons, je peux rien faire. Eh bien, Ah, c'est le bouton B. C'est le bouton B et il faut marcher en même temps. D'accord, et là on récupère le dollar. Et là, est-ce que je vais pouvoir récupérer la tasse de café? C'est... pas du tout naturel au niveau des contrôles, c'est vraiment n'importe quoi. Brûle pour point, comme ça je dirais que c'est totalement inintéressant. Attends, mais musicalement, je me répète, mais je vous assure que c'est un calvaire à avoir ça sur les oreilles. Je vais arrêter les dégâts, jeu suivant. Le jeu suivant s'appelle Dream World et j'espère que ça sera pas un monde de cauchemar. Oh, une jeune... Oh, la gestion du saut. Oh bon, ma foi. Je vais pas me répéter, vous l'entendez par vous-même. Hein. Des sonorités, on va dire, très métalliques. Genre, on a digitalisé une casserole, on en a fait une batterie. Je suis pas sûr que le saut va servir beaucoup. Ok, on est quand même assez loin d'un Great Genesister. Et d'un monde de rêve, hein, faut bien l'avouer, ça fait pas vraiment beaucoup rêver. Elle a un saut lunaire et elle retombe d'un coup, mais c'est dingue. Elle est toute légère en allant vers le haut et toute lourde dès qu'elle retombe. Oh, je viens de la gauche et je réapparais vers la droite et j'ai un... Un kangourou géant, je sais pas, je comprends pas. Effectivement, c'est un monde de cauchemar. On va essayer les défenseurs de la Terre, mais c'est Turrican là, sérieusement. Et graphiquement, c'est carrément repompé de Turrican. Je ricane. Ouais, c'est quoi ça? C'est un saut, c'est... Non, c'est pas un saut, c'est un jetpack. C'est un jetpack quand on laisse son doigt dessus, donc... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les vagues d'attaque, c'est n'importe quoi. Ça me fait penser à Forgotten World. Ah, c'est con qu'il n'y a pas de vagues d'attaque, comment dirais-je, travaillée, quoi. C'est vraiment hyper aléatoire. Ça vient de tous les côtés, de tous les sens. Ah, on peut tirer vers le haut aussi. Donc, à la limite, je peux le faire comme un shoot'em up hyper basique. À la limite, j'ai même pas besoin de m'envoler, quoi. Je peux tout faire du sol. Ça limite vachement quand même l'utilisation du jetpack en fait. C'est juste pour récupérer, hop là,
Et non, bon, c'est hyper limité. C'est dommage parce que bah, il est pas mal réalisé par rapport aux autres catastrophes qu'on a pu voir sur la console avec des clignotements. Et puis il est plutôt rapide. Le jeu suivant s'appelle Fatal Craft. Et j'espère qu'il va pas mettre Fatal. Ah, j'arrête d'être négatif. C'est difficile. Ah, peut-être un nouveau shoot'em up. Oh, c'est fluide. C'est... Oh. Alors là, je ferme ma grande bouche et je vais essayer d'aller un peu loin sur ce clone de Gradius. Alors, j'ai récupéré l'option, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Peut-être qu'il y a un boss. Et sérieusement, alors là, je suis un petit peu sur le cul parce que, bon, ok, le décor est bien vide. Hein. Il y a une ligne en haut, il y a une ligne en bas. Mais c'est jouable, c'est pas facile. Ce qui est un peu con, c'est qu'on commence du début dès qu'on se fait toucher une fois. Ça, c'est un peu casse-bonbon. J'ai double missile. Ah, non, pas de boss, juste ces petites tourelles qui emmerdent le monde. Ah, j'ai trouvé la killer application de la supervision. Là, je pense que, pour l'instant, c'est de loin le jeu le mieux réalisé que j'ai vu, en tout cas en termes d'action. Ça tient la route. Deux nouveaux environnements apparaissent. Est-ce que ça va déboucher sur... Ah, c'est les générateurs de monstres. J'arrive plus à parler. Des générateurs de monstres qu'on peut pas détruire par contre. Oh, par contre, putain, aux oreilles, ça arrache. Mais arrêtez, quoi. Si vous n'allez pas faire de musique, faites que des bruitages, quoi. C'est pas possible. C'est ignoble, encore une fois, ce mélange de... Non ! Putain, non ! Si je recommence depuis le début, c'est pas la peine. Ah oui, on recommence depuis le début en plus. Donc c'était Fatal Craft, et maintenant, on va découvrir un jeu de sa chaîne qui s'appelle Final Combat. Bah, espérons que ça soit de la même qualité que le Fatal Craft, qui m'a vraiment étonné. Bon, c'est un jeu de tank. Mais comment on peut avoir des choses sympa comme Fatal Craft qui montre que la console finalement je vais pas dire qu'elle en a dans le ventre, elle doit pas avoir grand chose dans le ventre la console, mais on peut s'en tirer en l'utilisant correctement et nous sortir des jeux de tank de merde comme ça, avec de la musique classique totalement ignoble, en plus ça rame, il y a 3 sprites en même temps. Ah, ça m'énerve. Espérons que ce Galactic Crusader, qui est également un shoot'em up... Alors, j'ai trouvé le méga tir. J'ai trouvé le méga tir. Oh là, c'est lent. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça rame. Oh, ça fait mal. Oh. Je vais changer. Oh, le beau laser que j'ai. Alors, pour l'instant, je tire que sur des bonus. Oh, j'ai des ennemis qui viennent par derrière, et ça rame sa maman. Oh, mais c'est pas possible. Mais vous pouvez pas sortir des jeux en l'état comme ça. Vous pouvez pas vendre des jeux 99 francs à l'époque qui sont... C'est la foire au clignotement. C'est la foire au ralentissement. C'est ignoble. Pourquoi je m'acharne là? Pourquoi je m'acharne à vous montrer, à essayer d'aller un peu plus loin, quoi? C'est... Putain, mais c'est même pas... Ça sert à rien. Tu détruis les adversaires juste pour que le jeu soit un peu plus rapide. Mais quelle merde, c'est pas possible, quoi. Alors, c'est Galactic Fighter. Ça m'énerve parce que je vois le clone de Gradius qui est finalement... qui est pas mal du tout. Ça veut tout simplement dire que c'est encore une fois de la fainéantise de développeurs ou de la non-maîtrise. Regardez, c'est le même jeu que tout à l'heure. Alors, c'est quoi? C'est Galactic Fight maintenant? C'est la même boîte d'édition, je crois. Et là, ça ne rame pas. Ils ont fait quoi avec leur jeu? Ils ont fait une bêta version? Là, ça commence à ramer, mais il y a quand même beaucoup plus d'objets à l'écran que tout à l'heure. Il n'y a pas de déplacement compliqué. Faut dire aussi que c'est pas passionnant, quoi. C'est un petit champ d'astéroïdes. Il y a plein de boulettes. C'est un vrai shoot. Bon, un vrai shoot avec des ennemis qui tirent pas. Remarquez, avec ce qu'il y a comme trait à l'écran qui doivent représenter des étoiles, vaut mieux que ça tire pas parce que j'aurais du mal à les différencier. Alors c'est génial, là j'ai un armement du tonnerre, ça clignote pas, ça rame pas,
Mais j'ai des ennemis qui n'attaquent pas. Ah, des ennemis qui tirent. Enfin, j'étais désemparé. Ah ben voilà. Bon, c'est pas génial, génial. Et j'ai un armement de tueur. Ce qui rend le jeu un peu trop simple. Mais ça prouve que techniquement, cette putain de console, elle peut sortir quelque chose. Bon, alors là, vous voyez une vague d'attaque. Hein. J'ai dû faire un cut. Mais franchement, pendant 5 secondes, il s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout. Il n'y a pas eu un seul ennemi. C'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment la console du grattage de couilles, quoi. Vous pouvez, mais vous curez le nez, vous mettre... Enfin bref, je vais arrêter, je vais devenir vulgaire, ça m'énerve. Ça m'énerve, je vois un potentiel de programmation gâché, ça me saoule. Et on enchaîne sur Grand Prix qui devait être, je pense... Le jeu de voiture que j'ai eu quand j'ai eu la mienne de Ouattara Supervision, c'est insupportable, ça gueule dans mes oreilles. Alors, je m'en rappelle plus, sincèrement je m'en rappelle plus. Oh là 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 là, je comprends, je crois que mon cerveau a voulu oublier ça. Alors, est-ce que j'ai plusieurs vitesses? Non, j'ai un bouton pour accélérer, un bouton pour ralentir, c'est du gros classique qui tâche. Je vais pas répéter que musicalement c'est de la chiasse auditive. Et là c'est bien, c'est qu'on explose même pas, hein. On arrive juste à pas doubler. Ouah, la limite, ça passe un peu quoi, c'est quoi le but du jeu? D'accord, il faut juste être premier. Dès qu'on double une voiture, il y a le rank qui change. J'ose pas imaginer ce que ça donne sur la console réelle. Je comprends pourquoi je l'ai revendu, hein. Franchement, il y a pas vraiment de regret à avoir. Le jeu que je viens de charger s'appelle Happy Pears. Je vous jure que si c'est un memory, je vais piquer une crise de nerfs. Ah non, c'est pas un memory. Oh, ça a l'air compliqué. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, vous voyez, ça c'est typiquement le genre de jeu qui est putain d'intéressant, mais sans la documentation, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je dois faire 3? Donc si je dois faire 3, je dois faire peut-être... What the fuck? J'étais ici, j'ai cliqué sur 1, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je comprends rien. Je vais prendre le 0, et ce 0 là, je l'ai détruit, d'accord. Donc si je prends le 9 ici et le 9 ici, bah ça marche pas. Merde, est-ce que c'est comme un Shanghai? Est-ce que c'est tout simplement un Shanghai? Où faut sortir les tuiles de chaque côté? Non, c'est pas un Shanghai. Bah j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Bah là, bah non, là ça marche, j'ai réussi. Moi je comprends pas, et je vais passer au jeu suivant. Après Happy Pear, on a le droit à Happy Race. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors déjà, la bagnole... Je contrôle quoi, moi? Je contrôle la bagnole qui vient de prendre le flag, qui vient de prendre le drapeau, là. Mais ok, je peux tirer, c'est con que les bagnoles sont plus grandes que le labyrinthe, quoi. Donc on est sur une sorte de rallye X sans scrolling, où faut récupérer les drapeaux, donc un Pac-Man, quoi, tout simplement. Ah oui, donc d'accord, à chaque fois que j'en prends un, il y en a un qui réapparaît ailleurs. Ah, il est disparu. Bah, je ne sais pas. Je vais prendre le sushi qui m'a fait exploser. C'était un sushi explosif. Antépénultième jeu de cette vidéo, Hero Hawk, encore une fois de Sachem. Mission 1, Snake in Time, 12 minutes. Oh, oh putain, c'est Metal Gear liquide. Oh là là. Pour une fois, la musique est pas trop déconnante. Elle suit le jeu, on va dire. Ah, j'ai posé une bombe, fallait que je pose une bombe, c'est ce qu'il fallait que je fasse, je ne sais pas. En tout cas, je peux tuer les ennemis. D'accord. J'ai appuyé sur un bouton où j'ai réussi à faire exploser tout le monde. Donc je pense qu'il faut aller placer des bombes à l'endroit où il y a les aigles. Et si je sors de l'écran, qu'est-ce qui se passe si j'y arrive? Bah, je passe tout simplement au niveau suivant. Pas d'avis. Pas d'avis. Je vais voir l'intérêt du truc, mais pas d'avis. Avant-dernier jeu... Hero Kid! Oui, très joli graphiquement, mais... Putain. Au niveau jouabilité, c'est encore... C'est Wonder Boy, en fait. C'est un clone de merde de Wonder Boy. Alors, ouais. C'est vraiment Wonder Boy, c'est ça.
C'est juste que c'est tellement mal programmé qu'on n'arrive pas à sauter au-dessus des obstacles. Allez, sautons, prenons quelques bonus. Ah ouais, il y a même l'énergie à récupérer. Et je n'arrive même pas à sauter au-dessus de la première flamme. Bon, vous l'avez pas vu, mais ça fait déjà 5 essais que j'essaye. J'y arrive plus. Je n'arrive même pas. J'arrête. Vous ne verrez pas plus de ce jeu. Je ne y arrive pas. Je n'arrive même plus à parler tellement ça me saoule. Oni B sera le dernier jeu de cette vidéo. Hélas, je n'ai pas fini de découvrir le full set. Oh, c'est Twin B. C'est Twin B en raté. Moi, je suis méchant, c'est peut-être pas... Si, c'est raté, je suis désolé. C'est Twin B. C'est un pu... Alors, on a eu le droit à un clone de Wonder Boy totalement injouable. Et on a le droit à un clone de Twin B. Et encore une fois, musicalement atroce. Il faut que je détruise les parapluies en tirant avec des missiles sur le sol. J'avais pas compris ça. Je pensais que c'était des bonus, mon dieu. Qu'est-ce que c'est atroce. Je vais prendre le cœur. Je vais détruire les marteaux. Ah là là. Ouais, ma foi, bon. En fait, ce qui manque, c'est un peu de rapidité. La Ouattara Supervision est en fait la reine des shoot'em up. Le clone de Gradius est pas mal. Celui-là, il manque un peu de rapidité. Il manque surtout, encore une fois, d'une musique de qualité. Mais c'est jouable. En fait, c'est les ennemis qui sont pas rapides. Parce que notre vaisseau se déplace d'une vitesse correcte, on va dire. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode dédié au full set Ouattara Supervision. J'ai les oreilles rouges tellement la musique m'a cassé les oreilles. C'est une horreur. Bon, je suis surpris. Il y a 2-3 titres potables dans le lot. Je suis quand même assez surpris. Comme quoi, la console, si on la programme bien, eh bien, je pense qu'elle peut sortir quelque chose de pas si mal que ça. On verra dans le prochain épisode, peut-être qu'on aura d'autres surprises. J'espère qu'on aura d'autres surprises, parce que j'en ai un petit peu à ras-le-bol d'avoir 90% de jeux de merde, mais je m'attends pas à des miracles. Merci d'avoir regardé une nouvelle fois cette vidéo jusqu'au bout. De nouveau, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.